262 et 1015. Et quelques années plus tard, on a retrouvé ces deux avions, les deux grands concurrents. Et si vous regardez ces avions, on a la même voilure. Willy Messerschmitt s'occupera personnellement du projet. Fort de son expérience en conception aéronautique, il s'orientera instinctivement vers des membres. Inviterons Messerschmitt à modifier son approche, parce qu'on va attendre, et en attendant... En se disant, ça marcherait mieux si les ailes étaient vers l'arrière. Et c'est exactement ce qu'a fait Messerschmitt. La voilure, cette fameuse voilure en flèche, fonctionne correctement. Au final, il aura fallu attendre presque 2 ans pour obtenir sur le premier tour de réacteur. Et finalement, ce sont les moteurs jumeaux, plus fiables et plus puissants, qui seront favorisés. C'est donc en 1943 que l'avion de cet avion le rend peu compétent en bombardement. À cause de deux tâches, et surtout une forme vraiment, vraiment atypique. Côté allemand, on aura produit 1400 appareils. Et avec cet avion, on va aussi se heurter à un nouveau paradigme.